Ça va pas être possible. Il est juste derrière vous. Il est juste derrière. Ne vous retournez pas. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais piéger un voyant malhonnête qui s'amuse à arnaquer les gens. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que tous les voyants sont malhonnêtes ou sont des escrocs. Chacun a ses croyances, mais en l'occurrence, vous allez voir que celui-là est quand même un sacré. Donc voilà, après moi j'ai déjà tourné la vidéo. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'avant le rendez-vous, quand je l'ai eu au téléphone, il me demandait de ramener 500 euros en liquide sur moi pour entre guillemets sa consultation. Donc comme vous allez voir dans cette vidéo, je l'ai piégé et je l'ai rendu complètement fou en lui faisant croire que j'avais perdu un ami qui en fait n'existe pas. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne pour faire gonfler mon ego et à partager cette vidéo en masse. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour monsieur, excusez-moi. Excusez-moi monsieur. C'est moi. Vous êtes le voyant? Ah oui, c'est ça. C'est avec vous, j'ai rendez-vous. Oui, oui, allez-y, venez, mettez-vous là. Ouais. Oui. Je suis désolé, en fait, je vous ai donné un rendez-vous un petit peu spécial. Ouais. J'étais en fait en train de célébrer la mort d'un ami. D'accord. Voilà, en fait, j'étais en train de fêter sa mort. Et C'est quoi ce rendez-vous? Parce que c'est pas vraiment l'habitude de faire dans ce genre d'endroit. Je comprends. Alors en fait, je vous explique. En fait, le truc, c'est que j'ai fait appel à vos services dans cette forêt. Mm-hmm. En fait, j'ai perdu un ami qui est mort dans cette forêt. Ah, d'accord, ok. Et en fait, le problème, c'est que c'était son anniversaire et j'ai pas pu lui offrir son cadeau. Donc après qu'il soit mort et tout, c'est pas grave, vous voyez, ça je m'en fous. C'est juste que j'avais un cadeau à lui donner et je n'ai pas pu lui transmettre ce cadeau en fait. Attends, excusez-moi, vous pouvez répéter? J'ai pas bien compris. Je vous explique. En fait, j'ai un ami qui est mort dans cette forêt. Ouais. En fait, il s'est pendu. C'est pendu. C'est moi qui ai accroché la corde. Et Qui avait tiré la corde ou... Oui. Et oui, j'ai tenu la corde en fait. Ok, d'accord. Et en fait, j'avais oublié de lui dire quelque chose et en fait, je devais lui offrir son cadeau avant. Je m'en suis rendu compte après en fait. Il était par terre, en fait, je voyais que son corps avait déjà rejoint l'autre monde. Du coup, je le sais. C'était quand C'était la semaine dernière. Ah, d'accord, ok, donc c'est tout frais, tout récent quoi. Ouais, du coup, voilà, en fait, j'aimerais pouvoir communiquer avec cet ami. Vous entendez sa voix? Parce que moi, j'arrive à entendre, je vais pas vous mentir que ouais. J'entends un petit peu sa voix. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que voilà, je suis venu aujourd'hui à votre rendez-vous. Par contre, moi, comment ça marche, c'est que je reçois les soins avant et après, je fais la cérémonie qu'il faut faire pour communiquer avec votre ami ou ce que vous voulez faire en fait. D'accord, un moment en fait j'étais justement en train de célébrer sa mort à cet instant et je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'un voyant de l'ordre supérieur. Tout à fait, bien sûr. Qui aurait pu m'indiquer les instructions à faire, parce qu'en fait je faisais un peu au hasard quoi. Je me suis par terre, j'ai fait un petit peu des bruits chelous, il n'y avait pas vraiment de sens en fait. C'était juste pour. Je me suis dit que peut-être que j'arriverais à communiquer avec lui. Vous avez dû voir un tuto sur YouTube, c'est ça hein? Ouais, attends, venez, on se met un petit peu à l'ombre là. Du coup, moi je peux vous passer les sous, mais après. Le problème, c'est que moi, je ne marche pas vraiment comme ça. C'est vraiment les sous d'abord et après, je fais mon travail. Et le problème, c'est que mon ami, en fait, n'aurait pas voulu. Il sera pas d'accord, en fait. Il sera pas d'accord. C'est-à-dire que si. Mais notre ami, il est mort. Oui, il est mort, mais de l'autre monde, de là où il est, en fait, si je vous donne les sous, en fait, le problème, c'est que ça ne va pas marcher, en fait. Il va pas vouloir venir. Parce qu'il m'avait dit de ne pas faire ça, en fait, au cas où on en a un petit peu discuté. Avant que je le prenne et tout. Mais après, moi, sans vous manquer de respect, enfin, votre ami, je m'en fous, mais ce qu'il pense. Ça m'est égal, moi je travaille de ma manière, ouais. Je veux les sous avant et après je fais en fonction de... Moi, juste, je viendrai juste en fait communiquer un petit peu avec lui, juste lui parler, lui dire ce que j'ai à lui dire. Et parce que j'ai un truc en fait à lui dire, c'est un... En fait j'ai un secret à lui... Voilà, je voulais pas le dire mais j'ai un secret à lui révéler. Voilà, j'ai quelque chose que je lui ai pas dit, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'anniversaire. J'ai un truc à lui dire, j'ai un secret à lui avouer, voilà. D'accord, je comprends et... Juste laissez-moi lui avouer ce secret. Faites-moi rentrer dans l'autre monde avec lui ou faites-le rentrer dans l'autre monde, enfin je sais pas, mélangez nos mondes et laissez-moi juste lui dire ce que j'ai à lui dire et après je vous passe l'argent, promis. Ce que je peux vous proposer à la rigueur, c'est la moitié d'abord maintenant. Non, ça marchera pas, il faut que je lui avoue ce truc. Ok. Sinon je vais devoir partir, sinon je vais non, pas pouvoir... Non, restez ici. C'est bon Bon, je suis dans l'obligation d'accepter votre offre. Je vous passe l'argent après. Voilà, faut que ça soit sûr qu'il y a l'argent après, parce que je ne sois pas venu pour rien, quoi. Oui. Mais d'accord. Je vous passe l'argent juste après. Okay. D'accord, on se tient la main. On se tient la main. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, c'est une blague, là, vous faites quoi? On va commencer le rituel ou comment ça se passe? Vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux, là? Excusez-moi, j'étais en fait, j'étais en train de discuter avec mon ami. Enfin, j'étais pas en train de. Enfin, j'étais en fait. Enfin, je. Je croyais en fait avoir.
C'est pas possible, il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Je suis parti dans un autre monde. Non, non, il n'y a que moi qui peux faire ça, arrêtez de me prendre pour un idiot. Vous êtes qui? Comment ça je suis qui? Vous avez fait appel à moi, je suis le voyant. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous racontez? Bon, ça suffit, ça. On va arrêter de C'est bon, je vous ai reconnu, c'est vous que j'ai appelé pour le... Exactement. Je suis désolé, des fois j'ai des pertes un peu de... Il n'y a pas de problème. Un petit câlin. Merci d'être venu. Il n'y a pas de problème, mais bon, on va commencer maintenant. Oui, du coup, on peut commencer à faire le rituel. D'accord. Donc, je vais faire un rituel et ensuite, vous allez me dire si vous arrivez à ressentir plus fortement sa présence. D'accord. S'il arrive à vous parler, à vous envoyer des mots. Comment on va procéder? Moi, en fait, venez. Voilà, je me remonte les manches pour être plus optimal. Regardez, mettez votre main là. Est-ce que vous avez à... Je peux? Oui, allez. Mais il est consentant? Il est consentant ou... Il est consentant. Il n'a pas porté plainte, hein? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, je ne sais pas. Dites-moi juste comment lui parler. Moi, non, là, pour l'instant, je vais faire le rituel. Après, vous pourrez parler avec lui. Allez-y, ouais. Allez-y. Désolé. Non, faites-moi ça sérieux. Ah, c'est nerveux, je suis désolé, c'est nerveux. Dites-le moi si vous avez entendu votre ami vous parler. Non, c'est nerveux. Faut qu'on reprenne tout depuis le début parce que. Faut pas que je sois interrompu. Allez-y, ça me bloque dans mon corps. Allez-y. Je suis désolé. Possible. Je suis désolé monsieur, désolé, excusez-moi. Là, on va pas le refaire 50 000 fois. Arrêtez. Je suis désolé monsieur, je suis désolé. Ça puise dans mon énergie. Reprenez. Je suis désolé. Je vais devoir reprendre l'énergie. Qu'est-ce que vous faites monsieur? On peut reprendre le rituel? On connaît. Je vais être franc avec vous. Vous rigolez encore une fois? Oui. Vous me donnez des sous et je me casse. D'accord, pas de soucis. Allez-y, je suis désolé. Je ne referai plus, promis. C'est bon? Voilà. Je peux lui parler? Là, non, vous pouvez lui parler. J'entends, je peux lui parler, je peux lui dire ce que j'allais lui dire? Ouais. Kevin! Monique! Monique! Monique, je l'ai baisé, frère! Je suis désolé, je savais pas que c'était ta mère! Frère, je suis désolé, faut pas que tu m'en veuilles! Arrête de mentir! Je savais pas que c'était ta maman, Monique, frère! Je suis désolé, c'est elle, c'est pas moi, j'y suis pour rien! Kevin! C'est Monique! Je savais pas que c'était ta mère! Je savais pas que c'était sa mère! Calmez-vous. Oh, c'est bon. Il est parti, je sens. Il est parti. C'est la première fois, c'est normal, c'est ça, c'est la première fois qu'il reviendra plus. Normalement, il ne reviendra plus. Vous avez dit ce que vous avez à dire, il est parti dans l'autre monde. Non, je sens qu'il est encore là. Je le sens. Je sens fou. Mettez-vous là. Comme ça, ne bougez pas. Je le sens. Ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne bougez surtout pas. Je sens sa présence. Il est parmi nous. Ne bougez pas. Vous devez rester comme ça. S'il vous plaît. Sinon, vous n'aurez pas votre argent. Vous devez rester comme ça. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez surtout pas. Restez comme ça. Je le sens. Il se rapproche de vous. Il est juste derrière vous. Ne vous retournez pas.